projet de nanosatellite est en fait un projet pour nous un peu nouveau, un peu en rupture par rapport à ce qu'on faisait avant. Et là aujourd'hui, avec ces nanosats qui sont des petits satellites, on se trouve à devoir être en charge de l'ensemble de la filière et de devoir développer la plateforme, les instruments à bord, mais aussi les aspects de réception de données. On pourrait croire que faire un petit satellite est plus facile qu'en faire un gros, mais c'est tout l'inverse. Ce projet est tout à fait novateur aussi dans le temps de réalisation, c'est-à-dire que contrairement aux filières classiques qui mettent une dizaine d'années à être développées, là on est sur un développement qui va durer 2 ans et donc qui permet vraiment une réactivité qui est propre à la recherche qu'on souhaite faire. L'expertise scientifique allié à l'expertise technologique ne se retrouve pas dans beaucoup d'universités et c'est vraiment chez nous que ça apparaît de manière le plus fort. Cette double expertise nous permet vraiment d'une part de faire un satellite qui scientifiquement va avoir un intérêt très important et aussi pouvoir le réaliser techniquement avec toute l'innovation qui aujourd'hui est développée et qui a été accumulée depuis des années par les ingénieurs du laboratoire. UVSQSAT, c'est un démonstrateur technologique. On cherche dans un premier temps à valider une technologie et un principe de mesure. Les objectifs scientifiques de la mission UVSQSAT sont multiples. Le premier, c'est de faire une mesure du bilan radiatif de la Terre. Ensuite, on va s'intéresser à un moment à la mesure de l'éclairement solaire spectral dans l'ultraviolet, 215 nanomètres, et voir la connexion avec l'atmosphère, et notamment l'ozone stratosphérique. Il y a un troisième objectif qui est en lien avec le vêtement connecté. On va intégrer un petit détecteur pour pouvoir faire des mesures des différentes positions du satellite en orbite. Sur la mission UVSQSAT, pour le laboratoire, on a environ plus d'une quinzaine de personnes qui travaillent sur cette mission. Et donc, on a tous les corps de métier qui sont représentés. On est en phase de développement depuis 2018. Là, on est en train de vivre les derniers instants de la mise en œuvre de la mission. Ingénierie, logiciel de vol, électronique, traitement de données, mécanique et thermique. Ce sont à travers des réunions quotidiennes que l'on peut donc suivre l'avancement du projet UVSQSAT. Au jour le jour, on va pouvoir interagir et de façon agile ajuster la façon d'avancer le projet. Et après, nous avons des réunions mensuelles en fait, qui permettent d'assurer une transmission de l'information à travers tout le consortium qui est le projet UVSQSAT. Le projet ne s'est jamais arrêté pendant le confinement. On a pu maintenir une activité complète pendant le confinement sur tous les corps de métier, ce qui nous a permis d'être aujourd'hui présents dans les locaux du LATMOS avec l'APIT pour faire nos essais environnementaux, le satellite complètement intégré. J'ai développé le logiciel de vol qui se trouve au cœur de la carte électronique qu'on appelle l'ordinateur de bord. Et ce logiciel de vol va gérer l'acquisition de toutes les mesures, tous les sous-systèmes du nanosatellite et notamment toutes les communications TMTC avec le sol. Je suis responsable du design de l'électronique et de la charge utile. Mon rôle s'est étendu pour la phase assemblage de satellites en intégrant l'ensemble des capteurs et des cartes électroniques qu'on avait développées en interne. C'est un sorte de contrôle commande pour satellite. Donc ici, bon, il y a le signal de radio, un moment, qui doit être décommuté pour pouvoir aller à un moment récupérer des formats de données et faire l'analyse scientifique. Et sur cette cartographie, on a à un moment, bon, évidemment, la trace au sol du satellite et la récupération de sa trajectoire au cours du temps. J'ai 2 activités principales sur le projet. Une partie simulation qui sert à préparer les futures observations et qui cherche à estimer la précision qu'on pourra atteindre sur les mesures. Et j'ai une partie plus technique qui concerne l'exploitation des données, donc depuis la réception des données en salle contrôle commande jusqu'à la plateforme d'exploitation de ces données. On travaille sur la partie algorithmique qui permet de transformer les données acquises par le satellite en données physiques exploitables scientifiquement. Je travaille sur la préparation et l'exploitation scientifique donc, de cette mission. Ce qu'on va chercher à obtenir, c'est des données de flux entrants et sortants qui vont alors nous permettre d'obtenir des données pour le bilan radiatif de la Terre. Alors qu'au départ, comme d'habitude, les étudiants, ils ont l'impression qu'on va leur donner de la bibliographie à faire. Nous, on leur a dit, ah non, vous prenez vos gants, vous mettez
tous les instruments que tous les autres chercheurs, tout ce qu'ils ont. Et puis vous allez dans le labo, et puis vous allez faire les tests sur les instruments, vous allez les monter, les démonter, les remonter, et ça plusieurs fois. Faire toujours participer les étudiants à tout ce que l'on fait. L'étape d'après, c'est de développer une filière maintenant de Master 2. Cette filière va permettre effectivement de former des ingénieurs un peu d'un nouveau type, c'est-à-dire qui auront une connaissance assez large sur le spatial, mais surtout qui viendront avoir des travaux pratiques chez nous pour vraiment avoir une réelle expérience et comprendre aussi finalement toute cette évolution du New Space qui est en train de se mettre en place et qui ouvre des perspectives quand même assez fabuleuses autour des emplois. UVSQSAT, c'est le premier satellite d'une série. Le suivant va s'appeler UVSQSAT+. Et on travaille actuellement aussi sur un troisième satellite avec le CNES. On peut faire de la science. On peut coupler ces petits satellites avec d'autres technologies qui sont actuellement utilisées, comme l'IA, donc l'intelligence artificielle, mais aussi le deep learning. Donc si on multiplie le nombre de données, on peut à un moment arriver à avoir une banque de données assez conséquente pour pouvoir faire quelque chose de très intéressant au niveau scientifique.